La Mauritanie est un état saharien qui borde l'océan Atlantique. Il compte plus de 700 km de côte et consacre une partie importante de son littoral à la sauvegarde de ses ressources marines. En raison des conditions naturelles exceptionnelles et de la création du parc national du Banc d'Arguin, les eaux mauritaniennes sont parmi les plus poissonneuses du monde. Situé entre Nouakchott et Nouadhibou, le parc national du Banc d'Arguin est aujourd'hui accessible par la nouvelle route qui relie les capitales administratives et économiques du pays. Grâce à cette route goudronnée, délimitant le parc à l'est, le trafic terrestre ne traverse plus le parc, évitant une dégradation des lieux et facilitant l'accès aux visiteurs. Le parc national du Banc d'Arguin, c'est avant tout une belle histoire humaine mettant en scène un peuple de marins éleveurs nomades, les Imraguen, un état, la Mauritanie, et des scientifiques. C'est une expérience qui devrait permettre d'intégrer progressivement les principes de conservation aux politiques publiques de gestion durable des ressources naturelles. Le parc national du Banc d'Arguin, qui se situe en Mauritanie, sur la côte ouest de l'Afrique atlantique, est une aire protégée qui s'étale sur une superficie de 12 000 km², dont 50% de cette superficie est terrestre et les 50% de cette superficie est marine. Je rappelle que le linéaire littoral du parc est le tiers de la totalité du littoral mauritanien. En quelque sorte, la Mauritanie a sacrifié, je dirais, pour la nature et pour la conservation de cet environnement, les tiers de son littoral. Derrière ça, ce sacrifice, toute une volonté politique pour bien préserver ce parc qui a une spécificité écologique exceptionnelle par la nature d'abord biologique qui s'y trouve et par encore, c'est une grande destination des oiseaux venant du nord. Ce qui constitue le caractère le plus exceptionnel du Banc d'Arguin, c'est que c'est à la fois un delta, on va dire, d'origine éolienne, et en même temps un des plus grands estuaires de la planète qui fonctionne sans eau douce. C'est-à-dire, c'est un grand estuaire dans la mesure où l'hydrologie et les courants de marée qui parcourent ce Banc d'Arguin sont des courants de marée typiquement de type estuarien, d'où l'importance de le développement de cette énorme vasière, alors que nous n'avons aucun apport d'eau douce. Le parc national du Banc d'Arguin a été déclaré parc national en 1976, donc bientôt 30 ans. Ça a commencé d'abord pour répondre à une curiosité, je dirais, des chercheurs scientifiques. On peut dire que la communauté internationale a commencé à s'intéresser d'une façon, je dirais, beaucoup plus intrinsèque et beaucoup plus dynamique à partir des années 80. Lorsqu'il a été créé une fondation internationale qui s'appelle la Fondation internationale du Banc d'Arguin, la FIBA, en 1986. Pourquoi faut-il préserver cette zone? C'est tout d'abord pour sa biodiversité exceptionnelle. Mais c'est aussi parce qu'elle permet la régénération de nombreuses espèces migratrices, dont les oiseaux, les poissons, les tortues et les mammifères marins. Le foisonnement de vie, protégé par l'interdiction de la pêche motorisée dans le parc, contribue à la gestion des ressources halieutiques mauritaniennes. Il fonctionne à l'image d'un immense vivier ou bassin de grossissement pour plusieurs espèces commerciales, comme le mulet, la courbine et la crevette. Le parc
contribue au développement de l'activité de pêche artisanale à sa périphérie et donc à la création d'emplois pour les populations du littoral. Les hauts fonds qui caractérisent cette aire marine protégée permettent l'existence de vasières et de prairies marines qui offrent des conditions idéales à la reproduction, la régénération et au développement de divers poissons, crustacés et de céphalopodes. Le parc attire les plus grandes colonies d'oiseaux aquatiques d'Afrique de l'Ouest et offre une étape indispensable aux nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. À marée basse, les immenses étendues de vasières s'offrent aux oiseaux. Lorsque la mer monte, ils se rassemblent sur les îles en groupes de plusieurs milliers d'individus. Le parc national assure sa mission de protection et de surveillance à l'aide de deux radars qui couvrent toute la surface marine de l'aire protégée. En cas d'intrusion, des vedettes assurent l'interception et la poursuite des contrevenants. Chaque village est doté d'un chef de poste relié par radio aux bases d'Iwik et de Mamgar. La pêche fait également l'objet de toutes les attentions. Le fruit de celle-ci est constamment étudié par des inspecteurs des pêches. On collecte les données au niveau du terrain. Et dans chaque village imbragain, là où il y a des débarquements, on collecte les données. Dans le mois de décembre, on fait un atelier de concertation compte tenu de nos résultats de recherche. Donc, ils essaient d'orienter la pêche pour l'année prochaine. Chacun donne son point de vue, on met en commun accord. Le calendrier de pêche est fixé par ces trois institutions, la population, l'administration du parc et les chercheurs. Les pêcheurs sont très conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans la conservation. Et ils participent beaucoup à la recherche actuellement. Ils sont très, très partisans, puisqu'ils sont conscients qu'une pêche bien gérée, ça leur aide dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas pour le pays, mais en particulier quand même, c'est pour eux. Ils sont les premiers bénéficiaires de cette reconversion et de cette conservation. Cette alliance entre le parc et les populations réussit parce qu'ils avaient une très bonne connaissance de l'écologie. Donc ils ont parfaitement compris, disons, les motivations de la création d'un parc ici. Ils ont accepté tout à fait que l'on interdise les bateaux à moteur et qu'ils continuent de pêcher avec des bateaux à voile, comme ils le faisaient traditionnellement. Et leur bonne connaissance de l'écologie leur permet d'avoir de très bons rendements. Mais le nombre de bateaux est limité et finalement la pêche imbragaine est en parfaite harmonie, disons, avec la capacité de reproduction du milieu et ne nuit en rien à l'écologie du milieu. Mieux encore, elle associe les populations à la préservation donc, du milieu naturel. Et donc cette alliance avec les populations est un gage de durabilité. Aujourd'hui, ce capital biologique est source de toutes les attentions de la part des acteurs qui en dépendent. L'industrie de la pêche et les autorités en charge participent à la conservation en menant des enquêtes permanentes sur le terrain. Le banc d'Arguin contient 9 villages qui égrènent la côte. 1200 imraguen, pêcheurs et éleveurs résident dans le parc. Le parc national du banc d'Arguin assiste les communautés de pêcheurs par le prêt de véhicules destinés à faciliter la commercialisation de la pêche et la fourniture en eau douce. Le parc fournit également des filets et des moyens de pêche adaptés. Il soutient le développement d'activités communautaires telles que la gestion des campements accueillant les visiteurs, l'appui à la transformation du poisson pratiqué par les femmes, l'éducation, la santé, le traitement de l'eau et la fourniture d'électricité, toute aide destinée à pallier aux sacrifices consentis par les Imraguen.
Une partie de la population vivant au sein du parc pratique un élevage extensif qui correspond à l'activité ancestrale des populations maures et berbères qui occupent la région depuis des siècles. Cette activité témoigne du profond lien historique qui lie les Imraguen aux troupeaux, à la tente et à la vie dans le désert. Chaque tribu, chaque famille maintient ce lien en conservant des troupeaux qui nomadisent au sein de la partie terrestre du parc. Cette activité contribue également à la diversification des activités et aide à maintenir une activité économique complémentaire de la pêche saisonnière liée aux migrations des espèces pélagiques. Je suis un gardien du parc ici, je suis membre du village. J'ai pris l'activité de marailleur et ravitailleur du village dans la coopérative. Les activités du village, la première c'est le tourisme. La deuxième c'est on a une coopérative, un magasin. La pêche, il y en a un peu, pas trop, pas comme les autres villages. C'est bon, les comportements de touristes, il y en a qui sont un peu difficiles. Il y en a qui sont trop difficiles, il y en a qui sont bien. Ils sont fiers à payer quand ils offrent un service, ils sont fiers. Et ça c'est bien, c'est la plupart. Nous on travaille avec une association qui protège cette zone et on veut le règlement de cette association qui soit appliqué surtout aux touristes qui viennent ici. Et on ne veut pas des traces hors traces. Et on ne veut pas campement hors camping. On veut peu de touristes qui viennent et qui sont des touristes écologiques. Nous voulons développer plutôt un écotourisme, des groupes cibles qui ont la conscience de l'écologie, qui ont la conscience de la préservation et le respect de l'environnement et des touristes qui, quand ils viennent sur le parc, ils savent qu'ils sont sur une aire protégée, qu'ils sont sur un patrimoine mondial. Et notre objectif, ce n'est pas de développer un tourisme de masse. Le parc, disons, regarde l'avenir avec un petit peu d'inquiétude par rapport à plusieurs contraintes qui, nous l'espérons, ne seront pas des menaces. C'est à la fois d'abord la route qui va relier donc le Maroc au Sénégal et donc quelque part l'Europe à l'Afrique noire. La première transsaharienne de l'histoire va être côtière. Elle passe le long du parc du Bandarguin. Et la deuxième menace, c'est bien évidemment l'exploitation pétrolière qui va offshore, qui va commencer l'année prochaine, enfin en fin d'année 2005. Et actuellement, donc, beaucoup de compagnies pétrolières sont en train donc, de faire des prospections. Il semblerait que les ressources pétrolières soient très importantes. La Mauritanie et la communauté internationale auront-ils, disons, la capacité de discernement et aussi l'engagement pour préserver les ressources environnementales et biologiques du littoral. Et la troisième menace, c'est évidemment la surpêche dont on a parlé déjà et avec surtout l'arrivée des nouveaux États membres de l'Union européenne qui ont vraiment besoin de poissons et qui font une pression sur la Mauritanie pour exploiter ces ressources. La flotte de pêche industrielle mauritanienne compte 150 navires, auxquels s'ajoutent les 200 bateaux-usines européens actifs au large du parc. Cette surexploitation pousse les pêcheurs traditionnels vers les zones protégées. Pour maintenir les rendements et soutenir le développement des populations du littoral, la pêche industrielle doit respecter les règles et les plans de gestion. Seule la conservation de cette zone de régénération protégera les ressources halieutiques, la protection de la plus grande aire marine d'Afrique atlantique
et dépendante des enjeux économiques liés au développement du littoral. Le parc, par le passé, était une zone, une aire marine protégée naturellement. C'est la nature qui la protège par les dunes de sable, par l'inaccessibilité. L'avenir du parc, c'est comment continuer à préserver cette spécificité écologique du Bandarguin à l'intérieur de cette dynamique économique que connaît le pays actuellement et qui le connaîtra dans l'avenir encore beaucoup plus intense.